Hop là. Et je te préviens, à midi, c'est pâté. Parce qu'à la maison, ta mère, elle m'a mis au régime. Elle trouve que j'ai un perruche. Salut, moi c'est Jules. Jules Schubert, comme le compositeur. Mais mes amis m'appellent Chouchou. J'ai grandi à Munchhouse, une petite bourgade fleurie au fin fond du 6-8. Mais aujourd'hui, j'emménage à Colmar. J'ai toujours rêvé de devenir cuistot. Et je viens d'être embauché en tant que chef dans un restaurant près du centre. Un établissement bien de chez nous, vous voyez? Le genre qui envoie 10 tartes flambées minutes aux heures de pointe. Côte de bœuf et 2 gigots d'agneau, allez hop, on en voit! C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est bête, mais un peu les deux quand même. Lui, c'est mon père, Jean-Paul Schubert. Mais vous pouvez l'appeler Champus. Il est artisan et il parle trop. Elle a dit Thierry, ou tu me fais castrer ce chat, ou c'est moi qui me charge de vous deux. J'avais besoin d'une camionnette. Alors j'ai accepté son aide. Mais pousse, Fetek! Mais je pousse! Plus fort! Mais je suis au max là! C'est pas assez fort! Ah, t'as qu'à tirer toi! Mais je tire! Mais plus fort! Mais je suis au max là! Oh, Fetek! Nietzsche! Lui dites pas, mais je l'adore quand il bougonne. Oh, c'est pas une vie! Ça, c'est mon nouveau chez moi. Je sens que je vais être bien, là. Ah, tu... J'y pense. T'as fait ta demande de souscription en ligne? De? Sur le site de Via Alice, pour avoir l'électricité. Oui, papa. Good. En même temps, tu m'as pas vraiment laissé le choix. Y'a pas choix! Toute la famille sur 3 générations est chez Via Alice, y'a pas de raison que tu fasses bande à part. Kikes! Mon père est très attaché à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une tradition. Ma mère dit que ça fait partie de son charme. Je sais, tonton Joseph, c'est le seul qui est ailleurs et personne ne l'aime. Exactement. Bon, on continue ou tu veux faire une pause? Hé, mais c'est l'heure du casse-croûte. Hop, sors le pâté. Si on rate le manger, après ça me décale tout. L'apéro, le repas, le schnapps du soir et paf, je dors mal. On n'a pas encore monté les couverts. Y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Je demande au voisin! Mais attends, mais je connais personne ici, moi! Elle, c'est ma voisine. Elle est... Oh, merde! Je suis en train d'avoir le coup de foudre. C'est la première fois que ça m'arrive. On en entend parler dans les livres, à la télé, mais faut le vivre pour le comprendre. Mon cœur bat aussi fort que le caisson de basse de DJ Otzi en plein Oktoberfest. J'ai des fourmis dans les gencives et je sue des coudes. Mon existence vient de trouver un sens, plus rien ne sera jamais comme avant et... Bonjour madame. Oh non, mon père qui est en train de lui parler. Je vais passer pour quoi moi? Vite, il faut que j'intervienne. On a oublié le carton découvert dans la camionnette, alors est-ce que vous pouvez nous dépanner? Oui, vous avez besoin de quoi? On a dû les rejeter des cornichons. Allez, dis quelque chose. Ça a pas besoin d'être cool, juste sincère. Intéresse-toi à elle. Je dois avoir ça quelque... Demande-lui son nom. Merci, madame. Vous vous appelez comment? Merde. Alice. Alice, ça sonne bien. Bon, tant pis, plus le temps de réfléchir. Dis n'importe quoi, le premier truc qui vient. Allez. Jean-Paul, mais vous pouvez m'appeler Chambos. Elle rit, elle est en confiance. C'est le moment. Ça, c'est mon fils Jules. Vous avez remarqué que Alice, ça rime avec Vialis? Ah oui. Eh merde.